Nous ne devrions pas se reprocher de quelqu'un.
chose. Quand j'ai admiré donc ce que dans toutes ces épreuves, Job était courageux. Il croyait toujours en sa vie. Il n'a jamais oublié que Dieu était avec lui. Pourquoi je l'ai dit? Job fut riche, extrêmement. Et Job devient encore très très pauvre. Mais Job n'a pas laissé les droits. Job est quitté de la royauté à l'humiliation. Et il est descendu jusque dans le fumier, manger, dormir. Sa peau était touchée, sa chair était touchée, et il avait des problèmes jusqu'aux os. Je sais bien qu'on sait ce qu'on appelle la richesse, et nous voyons des gens qui sont riches dans le monde. Est-ce qu'on peut prendre un millionnaire, on te dit que demain, il va devenir pauvre jusqu'à dormir dans le fumier? Tout ceci, Job n'a fait pas de reproche devant le Seigneur. Le problème de Job était pour que Dieu se glorifie dans la vie de Job. Et Job ne se reprochait pour rien. Est-ce que toi, enfant de Dieu, que nous sommes, si les épreuves qui t'arrivent, tu es capable de les gérer, est-ce que tu peux vraiment être un enfant de Dieu digne de ce nom? Si tu presses les bras à zéro micro de ce qui t'arrive, essaye d'évaluer le mal de Job et le nombre d'années. Mais Job n'a pas chancé. Lorsque je arrive encore Job, le même Job va devenir encore très riche comme auparavant. Cela veut dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais une démonstration en ce qui croit en Jésus. Job a démontré ses douleurs, ses combats, son épreuve. Et il a prouvé à Dieu qu'il était plus élevé que cela. Peu qu'en soit les douleurs qu'il a eues, Job est resté toujours fixé en Dieu. Job n'a pas changé d'église. Parce que le démon est dit, les choses ne marchent plus, je vais arriver. Job n'a pas changé d'église. Job n'a pas changé de personnalité. Il n'a pas cherché le raccourci. Que comme la femme a fini, je m'en vais m'abonner au diable. Un enfant de Dieu est noble. Il mange pour Jésus. Il dort la famille, il dort pour Jésus. Et tout ce qui arrive à un enfant de Dieu concourt à son bien. Parce que Dieu sait que si tu manges aujourd'hui et que tu n'as pas pu prier, avec de la fatigue, l'ennemi va t'engloutir. Alors il te laisse éveiller. Parce que quand tu n'as pas bien mangé, tu ne peux non plus bien dormir. Est-ce que je m'en... Automatiquement, à cause des douleurs que tu as, tu vas prier même alors que tu n'as pas pu demander dans ton cœur de prier. Et ce jour-là, à cause de l'insomnie, tu priais les prières. Et ce jour-là, c'est parce que le Seigneur a mis une base pour nous relever. Nous sommes tellement limités pour comprendre les choses de l'esprit. Parce que nous voulons que les choses marchent selon la chair. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu ne vit pas selon la chair, mais selon l'esprit. Fortifiez vos esprits. Ne baissez pas la face devant n'importe quel démon. La force de l'enfant de Dieu, c'est quand il ne reposte pas contre l'adversaire. L'adversaire de l'enfant de Dieu n'est que celui qui détruit sa vie. Et celui-là, il a reçu la verveine de celui qui t'a crié. Vu que la parole de Dieu nous dit, Jésus a dit, je serai l'adversaire de vos adversaires et l'ennemi de vos ennemis. Si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, avant d'avoir l'argent que tu veux, avant d'avoir l'autonomie que tu veux, commence à démontrer que tu peux surmonter les épreuves de ta vie avec de la joie. Tu auras une possibilité possible. Celui qui est de Dieu, il va transformer ses douleurs, ses malheurs en joie. Pourquoi? Parce que ça va maîtriser ton adversaire. Et tu vas rendre le cœur de Dieu éveillé. Et le Seigneur te rendra ce que tu n'as même pas espéré. C'est ça que nous disons toujours. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espère plus. Nous savons que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Alors, bien aimé, sans passer à celui du temps, nous allons essayer de couper ce genre. Parce que moi, je l'admire et je l'admirerai jusqu'à l'éternité. Parce que le courage de cet homme est insondable.
son courage venait de Dieu. Et quand on est de Dieu, ce sont les gens de côté qui voient que tu souffres. Mais toi-même, tu ne souffres pas. Parce que tu sais que l'épreuve est ta délivrance. Quand les gens parlent mal de toi, ils te lavent, ils portent tes péchés. Quand ils disent les marchandes contre toi, ils te lavent, ils portent tes péchés. Quand ils t'accusent, forcément, Jésus a été appelé le prince des démons, le prince des ennemis. Il a eu tous les noms, mais Jésus est resté toujours Jésus. L'essentiel est que ton cœur ne te reproche de rien. Si tu sais que tu n'as rien fait de mal, et que les gens rendent ta vie ridicule, mets-toi à genoux. Invoque le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu des machins. Il est le Dieu de la délivrance. Quand Dieu décide, personne ne peut dire non. Quand il décide de t'élever, même si tu es derrière les rochers, ne seront pas des rochers. C'est lui qui a créé les rochers. Même si tu es en bas de la mer, Jésus existe en bas de la mer. Même si on t'arrête dans les temps, Jésus, la terre est posée sur sa fond de main. Il va te délivrer avant son souffle. Quand on te donne des maladies, le Seigneur te délivrera parce qu'il est le Dieu qui guérit. Dieu donne les possibilités possibles. Ne craignez pas que les gens vous persécutent. Ne soyez pas enfermés parce qu'on l'a dit. Dieu est le seul qui est achète. Et quand ça t'arrive, on se moque de toi. Mais quand le bien de là viendra comment, on va dire que tu as pratiqué. Alléluia. Si tu étais avec moi, tu avais dit dans la main très puissant. Parce que le retour, les frères après l'enfant de Dieu sont son arrêt. La joie de l'enfant de Dieu, c'est son retour des preuves. Soyez fort. Amen. Soyez efficace. Alléluia. Mais ne détestez personne. Même celui qui veut faire du mal. Aimez-les. Ils sont limités, ils sont en captivité, ils ont l'esprit des gardes. Mais priez pour eux afin que les yeux les éclatent sur leurs yeux et qu'ils comprennent que vous n'êtes pas l'adversaire, vous êtes sa personne. Alors ici, on va voir ce genre que j'aime beaucoup à partir du verset 1, Job chapitre 10. Bien-aimés, il a un début qui me touche. Job ne pleure pas contre moi. Seigneur, je vais mettre les enfants à l'école. Je n'ai pas d'argent. Seigneur, aide-moi. Seigneur, vous avez écouté les bousiris de Job dans l'atroce douleur. Un riche qui s'est rendu dans de sérieux problèmes, mais quand il va s'attaquer à Dieu, vous allez entendre ce que ce riche va dire. Alors, la parole de Dieu nous dit en ce mot. Job, il parle de la parole. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai goût à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Bien-aimé, je sens bien que si tu as les oreilles d'esprit, toutes les paroles de Job tournent dans l'accusation personnelle de Job. Job est en train de vouloir se sanctifier. Job est en train de vouloir dire la vérité. Job est en train de s'accuser devant le Seigneur. Job est en train de se rappeler lui-même. Job est en train de reconnaître les torts durant le temps qu'il ne s'accuse de rien, mais il sait que rien ne peut se produire sans qu'il y ait quelque chose. Il n'y a pas de chemin sans trop. Verset 2. Dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi Dieu me prend à partie. Dieu, après avoir s'apprécié, après avoir s'accusé, après avoir se ridiculisé, à Dieu, et te faire que moi connaître pourquoi tu me mets de côté. Est-ce que cela nous est déjà arrivé que nous sommes dans des problèmes au lieu de prier en pleurant que Dieu t'a abandonné parce que notre cœur parle toujours que Dieu ne nous connaît plus. Mais John lui n'a pas intercédé ainsi. John lui, il a accusé lui-même envers. Il a voulu pousser son âme. Il a Pierre dit qu'il va sanctifier sa plainte devant le Seigneur et il s'est sanctifié et il a demandé à Dieu de lui faire comprendre quoi il s'agissait. Et maintenant, au deuxième verset, le prier a dit à Dieu de lui montrer pourquoi il est mis en partie, pourquoi il est abandonné. Voilà ce que nous devons faire. Pour vous prier les aînés, quand ils font des bonnes choses, il va pouvoir nous donner la vie demain. De paraît-il bien de m'entraîner, de repousser l'ouvrage des témoins,
et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants. Alors, Dieu en parlant à l'Éternel dit, est-ce que ça serait bien que tu prennes la paix? Tu me façonnes, tu me donnes la joie, en le matin, tu me laisses à l'ennemi pour qu'il me tremble et il me détruit. Est-ce que c'est vraiment de la joie, Seigneur, pour moi? Ce que tu as fait. As-tu les yeux de chair? Vois-tu un homme, vois un homme? Dieu demande à Dieu, est-ce que papa, on dit que je suis méchant par exemple? Est-ce que tu es un homme pour dire que son esprit de agir est méchant? Tu sais que je suis méchant ou je ne le suis pas. Cela veut dire quoi? La prière est plus autre chose que la causerie. Job cause avec Dieu, Job oublie les douleurs, mais il est beaucoup espérant. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne se rapproche, il ne se reproche de rien. Mais au temps convenable, il sera encore ce qu'il a été. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait un concours pour être cela. Dieu lui a donné gratuitement. Et il sait que le même Dieu lui donnerait encore gratuitement. Mais il faut qu'il sache, s'il y a des problèmes, c'est pour cela que Dieu les garde. Bien aimé, c'est ça qu'on te demande de faire. Laissons-nous s'abuser. J'ai d'abord bien sûr de passer bientôt, je vais rentrer, car je vais venir pour se mettre plein d'oreilles. Nous devons savoir qu'un chien n'est pas Dieu. Si quelque chose t'arrive, peut-être le Seigneur va t'exposer pour comprendre quel nom il t'a donné. Et il y a des gens parmi nous, il faut prier, même s'il avait quelle maladie, ça fuit au nom de Jésus de Nazareth. Et tant qu'il ne peut pas délivrer quelqu'un, mais sur lui, quelque chose peut arriver. À base de la foi, il prie et ça se réalise. Je vais vous raconter une histoire le jour que le Seigneur m'a donné la force de délivrer un mort. J'ai dormi une nuit après avoir prié. C'était vers la minuit, c'est le truc quand je venais de commencer de Dieu. C'est avant, après. Le Seigneur m'a rendu visite, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis un serviteur de Dieu. Donc quand j'ai besoin de Dieu, il doit venir auprès de moi comme un ministre va vers son président. Alors Jésus m'a rendu visite, il m'a dit, au cas où on vient avec un homme qui est mort, voici comment tu dois faire pour le relever. Je vous dis toujours que chaque fois qu'une parole de Dieu passe, il y a quelque chose à la suite de cette parole. Parce que j'ai expérimenté et j'ai vu. Bien-aimé, il m'a tout montré. Les épreuves étaient vraiment bizarres. Mais je me réveille une nuit, je n'ai pas fait deux jours, j'ai vu ma cousine qui est morte. Elle avait un bébé au ventre, je peux appeler un petit de 3 mois, qui ne restait plus qui était décédé. Et c'était à la suite de la mort du grand-père qui était prophète que ces choses se réalisent. Alors j'ai fait la prière d'imposition. On était encore au délit. Ce petit est parti. Les entrailles étaient déjà endommagées. Donc les intestins avaient des problèmes. Maintenant, j'ai demandé à son ami de l'amener à l'hôpital, essayer de voir avec les médecins s'il y a du cas de quoi faire. On leur a fait un peu de fait, on a donné 10 000 pour aller à l'hôpital. Ce monsieur a pris de l'argent. Il a dit à sa petite amie, c'est ma cousine à qui elle est guérie. Alors, on prend quelques kilos de poisson, on mange. Avec tous les tas de propriétés, ils sont partis prendre le poisson et manger. À la tournée de la soirée vers 18h, ma cousine commence à faire avec le vent. Je vais mourir. Finalement, elle décède. Comme je m'avais dit, en partant, si tu avais un problème, ne criez non plus assez, faites-moi des micros. Alors, j'étais assis à la maison, je finissais de prier avec lui-même. J'ai vu un ange de l'Éternel m'a apparu et me dit que la prière que tu as faite, ta cousine est morte. Je regarde l'histoire, je dis, c'est hier dans la nuit, le Seigneur m'a parlé. Est-ce que c'est ce genre de manière qu'il va me tester? Je lui ai dit, oui, il a dit que je viens te prendre. Mais attends, quelqu'un en roule là tout à l'heure pour t'appeler. Maintenant, quand j'ai 10 minutes, Agenda est entré en courant. Je me dis, pourquoi est-ce
prophète Dieu m'a envoyé que ta preuve, ta cousine, là-bas également, elle ne parle plus, je dis non, elle est morte. Elle dit, non, je ne sais pas de dire, mais j'ai laissé du temps qu'il y a de cette elle est morte. Je dis alors, d'après mon petit frère de souverain, alors, on va réveiller la femme là aujourd'hui. On est arrivé là-bas à 22h, on a trouvé que il y avait le monde dehors et dedans les jeunes priaient, chance, ils ne l'ont pas enlevé là où elle était décédée dans la chambre. Bien-aimé, avec les mains présentes touchées, je suis entré dans ma maison. Je dis à Dieu, tu m'as montré hier comment je peux faire. Je veux que tu me mettes en épreuve tout à l'heure, je vais appliquer ce que tu m'as montré. Bien-aimé, j'ai mis le bras sur ma cousine à 22h. Mais à 4 du matin, la sueur qui a coulé sur moi a commencé à faire, à ruisseler. Et je suis entré dans un profond voyage. Je voyais ma soeur très loin, je courais pour la prendre et je priais. Et je suis rentré. Quand j'étais auprès de là où elle était touchée, alors moi j'étais en prière, mais moi j'étais mon esprit d'être loin. Elle s'est réveillée. Le Seigneur m'a montré ce qu'on devrait faire pour que les intestins qui ont été touchés reprennent leur place comme des antibiotiques là-bas. J'ai demandé qu'on le fasse. Elle était assise, les pieds mourants, un cousin, elle disait la honnêteté. Et c'est comme ça qu'on a fait voir ces choses. Ça n'a pas pris 10 minutes. Elle s'est levée, elle a marché de ses pieds. Elle a touché ses arrières. Depuis le jour-là, elle n'a plus fait plus jamais accoucher ses arrières. Donc je veux vous dire que quand Dieu veut faire la chose avec moi, je n'ai pas besoin d'écouter ce que les gens vont dire. Je n'ai pas besoin d'attendre l'accusation des paroles qui viennent de nos chakras. Je me réjouis de ce que je suis. Parce que si je suis roi, c'est Dieu qui m'a envoyé roi. Si tu es princesse, c'est Dieu qui t'a envoyé princesse. Même si les gens me chargent, même si je chante, je n'en dis quoi, ne laisse écouter moi. Rendez-vous joyeux parce que l'accomplissement de la parole de Dieu est dans votre vie. C'est ça qui est de la force. Personne ne pourra m'éteindre parce que j'ai déjà vu la main de Dieu sur ma tête. Et toi aussi, que ça soit ici pour toi. Chacun de nous a des témoignages. Si ta voix est en train de vouloir chanceler, pense à ce que tu as fait de bon dans ta vie. Tu verras ta foi va revenir au profit. Les faibles, ce sont ceux que le diable détourne. Les forts, ce sont ceux-là que Dieu est avec eux. C'est pour cela qu'il dit dans l'Église, vous les forts, supportez les faibles. Celui qui n'a pas encore la maturité spirituelle. Ce n'est pas toi qui dois causer les mêmes causeries que lui il cause. Tu lui causes aussi les mêmes causeries ensemble. Il se prend vite après. Qui va consolider, qui va solidifier l'autre, qui va conseiller l'autre, qui va apporter la force à l'autre quand vous tous vous êtes en train de vous plaindre. Nous ignorons que Dieu a horreur aux lamentations de vos plaintes. Nous passons le temps à pleurer. Qui va venir en aide sur le diable? Dieu n'assiste pas aux plaintes. Dieu assiste au courageux. Il rend la vie facile au courageux. Donc soyez courageux avec tout ce qui vous arrive, le Seigneur vous voira. Les jours sont sur comme le jour de l'an, et les yeux comme, et les années comme, les années, c'est lui qui pose la question, Dieu pose et pose la question à l'éternel. Les jours sont sur comme le jour de l'an, et les années comme ces années, pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'inquiètes de mon péché. Sachant bien que je ne suis pas coupable et que lui ne peut me délivrer de ta main. Alléluia. Il n'a pas commencé à dire, Seigneur, je ne veux pas du mal, je suis seul. Mais je suis, il a d'abord pris courage de s'accuser. Bien aimé, laissez d'abord accuser les gens, commencer en vous-même. Parce que si quelque chose ne va pas dans ta vie, tu es toi-même coupable de la situation. Amen. Même si tu vois que les gens viennent faire. Il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas de humain sans feu. Maintenant, si tu as la persécution parce que le nom de Dieu veut se glorifier dans ta vie, tu vérifies, tu vois que tu n'as pas de problème, ne t'énerve pas de ce qui t'arrive. Parce que le retour sera fatal. Quand on
piétine un enfant de Dieu, on piétine l'éternel lui-même. Il est interdit qu'on piétine un enfant de Dieu. La Bible dit ne faites aucun mal à mes oies. Et ne faites aucun mal à mes prophètes, je suis le seul qui le relève. Même si Dieu me dit quoi, je suis le seul qui peut le relever. Mais le monde a transformé les choses. Les hommes de Dieu sont seulement jugés sur le plafond, ce qui est d'ailleurs bien, parce que ça nous élève. Deuxièmement, toi-même tu ne verras jamais du bien, même si tu dis la vérité contre moi. Parce que tu as pris la place de Dieu pour juger le nom de l'Éternel. Ta vérité, c'est la vérité qui va toujours te détruire. Il nous est interdit de se juger. Il nous est interdit de faire des choses pour mettre les autres mal à l'aise. Mais si quelqu'un parmi nous est un scandaleur, parce que la parole de Dieu nous dit, il est mieux qu'il y ait des scandales au milieu de vous. Ne m'avez pas qui. Nous devons faire attention. Même quand on parle de Dieu, il faut que tu limites tes mensonges. Il faut que tu limites ta manière de faire des choses. Il faut que tu t'accuses en toi. Il faut que si tu parles beaucoup, tu réduis la manière de dire des choses. Il faut que tu comprennes parce que le temps que nous cheminons, c'est un temps douteux pour nous. C'est là où Jésus va nous juger. Alors, bien-aimés, ne faites pas des amitiés de parti parce que vous voulez détruire une personne pour vous devenir ami. Alors que vous n'avez jamais été ami. Et je vous dis de cesser de composer l'agglomérage. Vous ne connaissez pas quelqu'un, en deux minutes, il lui a dit toute ta vie, et c'est lui qui t'a dit sa vie. Vous êtes influencé, il est en Europe, tu lui dis ta vie. Vous êtes influencé, il est docteur, tu lui dis ta vie. Vous êtes influencé, son mari est ceci, tu lui dis ta vie. Toi, tu ne peux pas toi-même influencer toi-même. Il faut qu'on cesse de faire des choses qui vont nous détruire. Amen. C'est la chose de l'autre que tu attends pour diffuser à gauche à droite. Tu cours. Mais quand il faut courir dans les autres choses, tu n'es pas là. Et maintenant, au lieu que tu prennes toi aussi les bonnes paroles pour mettre en pratique, regardez une chose. Les enfants de Dieu ne sont jamais obéissants. Il a un problème ici, tu le conseilles. C'est comme si tu lui disais de faire 10 fois le mal. Vérité. Et c'est quand ça lui est déjà arrivé au cours. Peut-être l'esprit d'égarement sort, il commence à regretter. Et il ne sait plus comment faire. Juste parce qu'il s'est laissé faire. Ne vous laissez jamais faire. Soyez des gens de valeur. Résistez au diable. Il fuirait loin de vous. N'acceptez pas parce que c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère. Quand ça ne marche pas, tu cèdes le gloire. Parce que la vie, le salut est individuel. Quand quelqu'un dit qu'il sert Dieu, il doit faire très attention avec sa vie. Le jour du jugement, tout sera simple. Jésus, est-ce qu'il a épargné la délivrance que je délivre bien que les noirs, les blancs ne sont pas là? Est-ce que Jésus a dit, je suis seulement les blancs ne sont pas là? Pourquoi il y a des divisions au milieu de nous? C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit, d'où sortent des terrains et des divisions au milieu des enfants de Dieu. Parce que les gens ne veulent pas l'écouter. Si c'est toi qui dis la vérité, et que l'autre lui, il a l'esprit de déduction, il faut qu'il cherche encore d'autres personnes avec qui peut dire que tu es mauvais, tu es sorcier, tu es ceci. Mais on n'est pas prêt à dire que voilà, celui que Dieu nous a donné, s'il est là et qu'on prie ensemble, on a de la vie éternelle. Non. Toi, quand tu connais quelqu'un, tu sais qu'il est. Mais un étranger vient te dire, l'homme que tu vois là, j'ai blessé qu'il est en train de te tuer là-bas. Ah bon, c'est vrai, j'ai dit que j'ai vu, au lieu de lui demander, pourquoi tu as pris l'importance à faire moi que tu lèves mon tu viens à dire. C'est ça qu'on appelle le discernement. Quelqu'un va te dire que on est avec un membre, on veut te tuer. Lui, il est venu faire quoi? Tu dis seulement, ou bien il a moyen de te délivrer. Mais nous ne cherchons jamais à connaître comment être délivré, mais nous cherchons le moyen seulement à aller se lancer. Je veux lui dire ça pas, je veux lui classer. Vous voyez comment nous ne sommes rien. Nous devons toujours écouter le proposal. Et ça nous détruit. Ça détruit la santé, les mariages, le service. Tout ce qu'on fait, dès qu'il y a déjà commérage, cela est déjà gâté. N'acceptez jamais des prédications nocturnes. Un enfant de Dieu est clair, tout doit être clair.
demande-lui de répéter devant la personne en question. Donc, quand je vais voir Père, je vais l'appeler, tu le Père, non. Dès qu'il mange la bouche, lui, il ne t'approche plus jamais auprès de moi. Amen. Parce que celui qui vient te dire le Congo, ça ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Sur tes mains, il n'avait pas venir te dire parce que ça fait mal. Et c'est une manière d'égarer quelqu'un qui a la crainte de Dieu en lui. Il faut que nous le sachions. La Bible nous dit l'amour couvre une multitude de péchés. Quand quelqu'un dit qu'il est un Dieu, il y a des choses qu'il ne peut plus faire pour offenser les autres. Mais dès qu'un enfant de Dieu mange bien, il se moque des autres. Dès qu'il s'habille bien, il critique les autres. Dès qu'il est nommé, il regarde les autres comme les caca. Dès qu'il est élevé, oh, il a pris l'action, il rentre en Europe, le cancer a changé. C'est là qu'il compte pas quand même, je suis déjà français, voilà, tout ce temps j'étais, ben voilà. Je vous dis, nous devons rester ce que nous sommes. Amen. La personne doit apprécier lui-même d'abord. Alléluia. En prenant la parole, il a commencé à laver lui-même. Donc il s'enverrait que toi, la gloire, tu n'es pas sérieux. Tu as fait mettre notre Dieu qui est élevé l'éternel. C'est ce que nous devons faire. Nous devons chercher comment sortir de l'enclos. Nous ne devons pas chercher comment les autres doivent nous apprécier. Nous devons chercher comment sortir des combats de ce qu'on dit de nous. Pourquoi on dit que tu es trop mangé? Pourquoi tu es trop mangé? Je me disais souvent, souvent que le récit c'est vrai, mais si le Dieu va dire oui, tu manges trop. Et tu n'as plus besoin que les gens te le disent, tu diras, dis Seigneur, selon moi, sans moi, je ne mange plus comme ça. Au nom de Jésus, le Seigneur va t'aider. Tellement mon famin, elles m'ont prié. Elles m'ont fait tout entier. Et tu me dirais, souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière, devenir des paroles piquantes? Il ne promettait pas Dieu. Il ne disait pas comment il fait le bien, c'est disant qu'il lui donne le mal. Il ne disait pas comment il a donné le terrain à mon caractère. Il n'a pas dit comment il a fait voyager entre les États-Unis. Si tu fais toi, c'est ce que tu vas dire à ce que tu fais. Quand vous avez des problèmes, oubliez le bien que vous avez fait aux autres. Le bien là, c'est ton bonus quand le Seigneur veut t'aider. Mais accuse-toi, afin que le sang de la nôtre te lave nouvellement devant l'Éternel. Et là maintenant, si tu fais quelque chose, le Seigneur va emprunter une dizaine en ce que tu avais fait combien pour compléter en ce qui te manque et désormais là, tu seras aidé. Nous devons avoir la science de l'esprit en nous. Quand nous laissons l'ennemi se glorifier, le Seigneur devient paroche. Parce que nous-mêmes, nous faisons appel au diable. Ne m'as-tu pas brûlé comme de l'air? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Bienvenue, ça va très long, tu vas aller lire à la maison. Et je veux aussi que tu lises de même maintenant, tu vas voir la conclusion. Ce que tu as fait avec toi, après ces prières, après ces lamentations. Et je vois, dès que l'enfant de Dieu a un problème pour le vent, vous aurez trop pleuré. Et vous, c'est comme ça que vous péchez. Et quand une chose arrive, c'est comme ça que vous prenez les décisions, vous dites, vous vous rendez la mort, dépend dans vos cœurs. Je veux dire, qu'est-ce qui vous a pleuré au lieu de prier quand quelque chose arrive? Vous ne voyez pas que c'est parce que vous n'êtes pas à la hauteur de Dieu, vous vous accusez de quelque chose. Est-ce que les pleurs ont déjà sauvé un jour? Vous savez ce que veut dire pleurs? Les pleurs sont la mort. Quand tu es en train de pleurer, tu es comme la mort. Mais un enfant de Dieu, ses pleurs, c'est la prière. Les pleurs sont la prière. Les pleurs d'un enfant de Dieu, c'est le courage qui détruit ses épreuves. Vous allez voir chaque fois qu'on résiste. Résister au diable et il fera notre coup. Vous voyez, chaque fois que nous résistons, dès qu'on t'a dit que ça va m'arriver, que rien ne m'arrivera au nom de Jésus. Est-ce que quelque chose vous est déjà fait? Soyez très propre de ça. Et n'attendez pas que les gens vont vous donner toujours des éloges. Attendez-vous à la destruction de vos noms. Quand les gens diront des mauvaises choses à vos noms, et cela vous élèvera. Parce que c'est là où Dieu montre ta vie. C'est là où Dieu regarde qui tu es.
au bout ne replie tes lèvres. Moi, je sais que quand vous parlez là maintenant, dès que je prends même ma vie au sein, je dis yes, Seigneur, bénis-moi, bénis-le aussi. Donc, sachez que si vous avez un problème pareil, ne vous lamentez pas, ne vous tuez pas, mais rendez-vous paix. Et je vous dis que si tu ne vaux pas de l'or, on ne parlera jamais de toi. Si tu n'es pas un homme appelé, lui ne chantera ton nom. À partir du jour que ce que Dieu a mis en toi est en train de fleurir, en train d'apparaître, c'est là où les personnes changent. Et c'est là beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Ils disent que Dieu n'est plus avec eux. Non. Renforcez-vous. Il est avec vous là. C'est le moment là même que Dieu va commencer avec toi. Parce qu'il nous dit que là où vous êtes limité dans ma vie, dans vos vies, c'est là où moi les ténèbres commencent avec vous. Alors une chose. Mais je voulais vous dire, devant la face de Dieu, on ne dort jamais. Quand vous êtes à l'église et que quelqu'un prend la peine de vous réveiller, dites à Dieu merci et bénis ce temps. Parce que dormir devant Dieu, c'est un mépris total. Dieu est un homme éveillé. Que ce soit pasteur, que ce soit fidèle, tout le monde qui dort devant Dieu apporte un mépris devant son Père. Il faut que vous changiez. Que nous soyons dans les pleurs. Parce que quand on est devant le Seigneur, c'est pour se ressourcer. Avez-vous vu une voiture garée au quartier qui tente d'aller prendre le carburant seul? C'est une sensation que la voiture parte consommer. Même quand c'est tombé en passe, c'est quelqu'un qui va avec le bidon pour venir lui verser de l'essence. Alors, ressourçons-nous quand on est ouvrier. Il y a des paroles qui peuvent nous réanimer. Il y a des paroles qui peuvent nous délivrer. Il y a des paroles qui peuvent briser des choses ici à nous. Il y a des paroles qui peuvent apporter le succès dans votre vie. Il y a des paroles qui peuvent apporter ton élévation. Parce que tu as compris la parole de Dieu, tu seras délivré. Parce que tu as compris la parole de Dieu, ton voyage sera réalisé. Parce que tu as compris la parole de Dieu, ce qui te dérangeait, ça ne va plus jamais te déranger. Parce que tu as suivi la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu sera un moment de déplacement de Dieu. L'Esprit de Dieu circule au-devant de toi. Celui qui prend avec efficacité, il sera béni avec efficacité. Celui qui prend légèrement, il sera aussi resté dans sa légèreté. Parce que Dieu comprend avec ceux-là qui ont des cœurs éprouvés. Il est là pour éteindre les douleurs de nos cœurs, pour nous apporter le succès, pour nous apporter le soutien, pour faire de nous la différence. Nous racheter du fumier et nous apporter sur la table des grands. Le Seigneur est là pour ça. Il n'a plus autre chose à faire, c'est pour nous. S'il est Dieu, il est Dieu pour nous. S'il est pour nous, maintenant, pour nous sauver, c'est son travail. Alors, bien-aimés, faites confiance à Dieu pour que les hommes. Soyez comme toi. À chaque fois, accusez-vous, exposez-vous. Après avoir fait cela, demandez à Dieu la conduite à tenir. Même si quelqu'un te reproche et qu'il n'a pas raison, ne répliquez pas. Prenez votre parole en patience. Et prouvez-le seulement que Dieu est avec vous. Et que ce qu'il est en train de faire est bien pour toi et bien pour lui-même aussi. Que Dieu vous bénisse. Pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël,
je te le prie, purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie.